Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors oui, milieu de semaine, pourquoi? Tout simplement parce que votre papy préféré est en vacances. Et qui dit vacances dit également repos. Donc j'en profite un petit peu d'être avec ma femme et ma fille qui est venue donc passer quelques semaines à la maison. Voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi je ne vais faire là pendant les prochaines semaines qu'une vidéo à peu près par semaine. Ce qui est donc déjà pas mal. Alors pour ce nouveau Mekwa Kukes, aujourd'hui du lourd, du très lourd, du très très lourd. Fan de Tokusatsu, Super Sentai, Metal Heroes et fan de Transformers, voilà, vous allez, pardon, en avoir plein les yeux, puisque voilà, j'ai reçu pas mal de petits colis ces derniers temps. Donc trois colis de mon ami Damien, que je remercie d'avance, puis un colis donc de mon partenaire Osaka Toys, voilà la boutique spécialisée donc en manga, en cartes à jouer, en maître de l'univers, Transformers, G.I. Joe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin de tout, du manga, des jeux, enfin bref, voilà la boutique par excellence donc qui se situe Place d'Armes à Valenciennes. Comme toujours, bien entendu, je vous mettrai en description donc le lien de la boutique Osaka Toys et le lien de la boutique Vinted de mon ami Damien. Voilà, donc trêve de blabla, passons à présent aux choses sérieuses et découvrons ensemble donc le contenu de tous ces petits cartons. Waouh! Mais quoi qu'on caisse? Oh, moi, j'ai trop hâte de savoir que ce c'est. Oh, mais apparemment, il y a plein de belles choses. Ouais, c'est ce qu'il dit le papy. Donc, à mon avis, ça doit assurer. Bon, bah, les mecs, on vous retient pas plus. On vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et puis, bah, bonne vidéo et bonne découverte. Ouais, bonne découverte. À tout à l'heure. Tchuss! Ouais, tchuss! Et pour commencer, donc petit aperçu de voilà de ces quatre colis. Donc comme je vous ai dit, 1, 2 et 3 juste ici de mon ami Damien. Donc qui dit petit colis dit forcément vous êtes habitué, ne dit pas forcément donc petite chose. Il y a du voilà de très belles choses et du très lourd à l'intérieur. Et puis tout en bas donc le gros carton juste ici donc en provenance de la boutique d'Osaka Toys. Voilà, on retourne tout de suite sur mon studio vidéo. Je me munis, comme toujours, de mon fidèle Laguiole. Et commençons tout de suite les hostilités avec le premier colis de mon ami Damien. Pour pas changer, hein, vous pouvez constater que l'emballage est très soigné. Voilà, c'est du carton rigide, bien comme il faut. Les scotch utilisés sont là encore bien rigides. D'ailleurs, je me demande. Non, ouais, je vais peut-être quand même l'ouvrir en dessous, ça sera plus pratique. Voilà, de la bonne grosse bande adhésive, pardon. Alors, hop, pour le coup, je ne sais pas si bon, la gueule est assez aiguisée pour ce type de scotch. Peut mieux faire. Faudra que sans doute que je l'aiguise un petit peu par la suite. Voilà. Ah, comme vous pouvez le remarquer, c'est du costaud. Emballage irréprochable avec toujours à l'intérieur, et on va voir ça tout de suite. Donc voilà les protections, voilà tout ce qu'il faut pour voilà protéger le contenu de ces colis. Vraiment, Damien, toujours aussi soigneux, ça fait plaisir. Alors, nous avons tout d'abord, alors on va commencer, allez, tous ensemble par celui-ci. Alors, je ne sais pas. Pour les plus jeunes générations, ça ne va peut-être pas dire grand-chose, mais pour les fans de Tokusatsu ou les vieux fans de robots, vous allez reconnaître, hop là, voilà, le premier membre. Alors, je me mets off-caméra pour le transformer dans son vrai mode alternatif. Alors, nous avons tout d'abord, certains l'auront reconnu, le Jet Seeker, pardon, le Jet Seeker numéro 3. Donc, on continue à présent avec le second.
voilà, que je vais également mettre off camera dans son mode alternatif. Et magie de la vidéo, donc nous retrouvons ensuite le Jet Delta 2. Et pour finir, voilà. Alors je vais faire la même chose. Et pour terminer, donc le Tank Commando One. Voilà les fameux véhicules, trois véhicules donc formant le splendide Flash King, donc tiré de la série Super Sentai japonaise Flashman. Voilà, rien que ça, un Graal, mais vraiment un Graal enfin en ma possession. Il est, voilà, il est plutôt âgé et je découvre avec plaisir donc qu'il est en excellent état. Je vais peut-être retaper un petit peu les stickers et puis peut-être faire quelques chromes ci et là, mais dans l'ensemble, globalement, voilà, pour un jouet de cet âge, il est vraiment vraiment super propre. Et donc le voici, le voilà, le Flash King, avec donc les trois membres dans leur mode véhicule. Voilà, je suis hyper heureux. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai donc voilà d'avoir une telle pièce, voilà un Graal, vraiment un Graal. Alors il fait un peu kitsch aujourd'hui, mais vous verrez lorsque je ferai donc la vidéo qu'il est voilà de toute beauté. Il ne manque malheureusement que l'épée et le bouclier qui sert de radar et qui se fixe au-dessus donc du Jet Seeker 3. Bien sûr, donc je les voilà, je vais essayer de les trouver et de les commander, au pire commander des repros, voilà, de façon à le compléter totalement. Et puis donc il ira rejoindre mon étagère donc de robots Super Sentai Vintage. Voilà, super, vraiment magnifique. Alors, j'ai hâte de pouvoir le regarder tranquillement à tête reposée. Voilà, voilà des vacances qui voilà qui sont plutôt qui s'annoncent bien. Alors nous avons des petits cadeaux comme toujours. Hein. Damien aime bien me filer des petits goodies. Voilà, nous avons un monstre pas beau juste ici. Voilà, et puis nous avons donc un autre petit personnage juste là dans son petit sachet. Donc voilà, et je présume que ce doit être Spilvan. Voilà. Donc voilà pour le premier colis. Alors, monsieur monstre mou, voulez-vous tenir correctement? Voilà qui est bon. Nous avons donc pour ce premier colis, et pas des moindres, hein, donc le Flash King et deux petites figurines. Yes, merci Damien, c'est voilà, c'est super sympa. Voilà, encore un rêve de gosse qui se réalise enfin. Je suis super content, je suis impatient de pouvoir le manipuler, de découvrir l'ingénierie, parce que l'air de rien, même si ces trois véhicules sont paraissent aujourd'hui un peu kitsch, l'ingénierie de transformation de ce véhicule, enfin de ce personnage, de ce robot, de ce mecha, était absolument extra, vraiment très très bien pensé. Et je crois pas d'ailleurs que le concept ait été réutilisé pour d'autres. Donc voilà, on verra tout ça ensemble bien entendu dans une vidéo qui lui sera donc dédiée par la suite. Voilà, donc passons à présent au second colis de mon ami Damien. Alors là tout de suite, voilà, l'ouverture est bien plus facile. Voilà, on essaye de faire ça proprement, pas comme un cochon. Hop là, voilà. Voilà. Alors bien entendu, hein, je suis au courant, à part les surprises et les goodies que Damien m'a rajouté, je suis au courant de ce que ces, voilà, ces colis contiennent, mais voilà, je ne sais pas par contre dans quel ordre les choses se trouvent. Donc nous avons à nouveau, voilà, hop, alors du petit sachet et du papier bulle, toujours parfaitement emballé. Et à l'intérieur donc de ce grand morceau de bulle, nous avons alors j'ai beau savoir hein, ce que les colis contiennent, je découvre en même temps que vous. Voilà, alors on ouvre ici, voilà. On va essayer de ne pas être trop lent. Voilà.
le papier bulle. Check. Alors, qu'avons-nous là? Hop. Ah, enfin. Voilà, là c'est pareil. Certains l'auront reconnu à travers le plastique. Hop. Poubelle. On ouvre celui-là. Alors on va essayer d'y aller mollo, hein, parce que bon, ce sont quand même des accessoires, voilà, qui sont pas tout jeunes. Voilà, nous avons un bouclier. On y reviendra juste après. Nous avons enfin, voilà, la pièce qu'il me manquait, la pièce principale, donc pour l'un des véhicules, à savoir donc le Jetto Hall. Voilà, parfait, pas de casse, rien, c'est propre, nickel, soigné. Et puis, bien évidemment, qui dit bouclier, qui dit Super Sentai, dit forcément les épées de la mort qui tue. Alors, là, voilà, ah, je suis hyper heureux, voilà, oh, elle est parfaite, impeccable, j'ai même pas de chrome, j'ai juste quelques petites retouches très légères à faire. Pour le reste, c'est super propre. Donc, les puristes l'auront reconnu. Il s'agit du bouclier, donc formant les ailes, voilà, de l'un des véhicules, l'épée et les ailes d'un autre véhicule, donc plus précisément du Jetto Hall. Voilà, tous les accessoires qu'il me manquait, donc pour compléter mon Jetto Robot, issu de la série Jetman. Voilà, une série que j'aime tout particulièrement. Et ça, ça fait plaisir, il n'y a pas de casse, il n'y a rien, voilà, c'est, voilà. Ça y est, mon Jet Robot est enfin complet. Alors là, vous pouvez en être sûr, je vous ferai une revue à son sujet, donc voilà, par la suite également. Là, amateur de Tokusatsu et surtout de vieilles séries, enfin d'anciennes séries Super Sentai, hein, vous allez en avoir, voilà, vous allez avoir quelques revues rien que pour vous, voilà. Je suis, voilà, je regarde en même temps, hein, je suis désolé, hein. je m'attarde un petit peu. Voilà, si vous n'imaginez pas la sensation que ça peut être de pouvoir compléter à 100% des jouets qui ont pour la plupart 30 ans, 25, 30, 35 ans, et de pouvoir donc les compléter entièrement, voilà, à 100%. C'est, voilà, c'est juste une jouissance suprême. Voilà, ah, je suis super content, voilà, j'ai enfin les accessoires. Alors le bouclier, je l'avais déjà, mais du coup, je vais récupérer celui-ci, qui est plus propre que le mien. Ça, je ne l'avais pas, malheureusement. Je vais pouvoir donc rajouter les ailes du Jetto Hall, et puis donc l'épée, voilà, de Jetman, du Jet Robot. Et nous avons ici des petits accessoires. Hop, hop, je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Et nous avons donc ici, voilà, les deux flingues, les deux guns du Life Boxer. Life Boxer, donc, qui sont les deux robots additionnels de la série Liveman. Voilà, qui viennent donc se greffer sur le Life Robot pour former un robot encore plus colossal. Donc voilà, pourquoi ces deux guns? Bah, mon pote les avait en double, mon pote Damien les avait en double, donc il m'a décidé de les envoyer. Alors voilà, voilà. Peut-être que par la suite, donc, je ferai l'acquisition du Life Boxer, voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà les deux canons, et ça, ça fait plaisir. Voilà un petit peu, donc, hein, pour ce second colis de toute beauté. Yes! On passe à présent, donc, au troisième et dernier colis. Voilà, de mon ami Damien. Alors, on retrouve un nouveau... Ah non, c'est pas tout à fait encore le même scotch. Voilà. Hop. Hop. Bon, bah, du coup, pour le coup, je sais ce que contient donc ce dernier colis. Le voici. Zouver. Ta-ta-ta. Voilà, alors qu'avons-nous là? Allez, on commence par ça. Voilà. Oh, il y a plein de choses. Alors, on commence par celui-ci. Hop. Alors,
je baisse un petit peu la caméra-ouche. On déballe tout ça. Toujours, comme vous pouvez le constater, hein, extrêmement soigné en termes d'emballage et de soins. Voilà, le truc qui fait plaisir. Hop. Alors je vous invite encore à aller sur sa boutique Vinted, je mettrai comme toujours le lien en description, le lien direct de sa page Vinted en description. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan de Tokusatsu, d'univers Super Sentai et autres, vous trouverez forcément votre bonheur dans sa boutique à des prix vraiment défiant toute concurrence. Alors je le répète hein, parce que il y a toujours des petits malins entre guillemets qui s'amusent à lui demander de faire des ristournes absolument dérisoires. Je trouve que c'est un peu chier parce que bah déjà à la base il vend ses articles vraiment moins cher que la concurrence hein, y compris donc moins cher que sur Facebook. Donc bon voilà, faut peut-être pas trop abuser par moment, comme on dit, faudrait pas trop pousser mes mères dans les orties. Alors j'ai cette force verte là, mais ce n'est pas pour moi. C'est donc l'une des dernières acquisitions de mon ami Damien, donc pour lui-même et non pour moi. Donc il m'a demandé de refaire les chromes de ce personnage, donc de ce force verte au propre, voilà, de ce bioman. Donc, eh ben voilà, je vais avoir de quoi m'amuser à lui redonner un petit coup de peps. Il est propre, hein, de manière générale, il est propre. La figurine est métallique, métal plastique. Voilà, ce sont les figurines de luxe. Donc voilà, je vais m'amuser à pouvoir redonner un petit coup de peps avec des chromes tout beau, tout propre, tout frais. Voilà, il faudra juste que je trouve donc une bonne photo du casque sur internet. Et puis voilà, ce sera opération réussie. Voilà, donc ouais, très très jolie figurine. Mais bon, celle-ci n'est pas pour moi, c'est pour de la restauration. Voilà. Alors ensuite, nous avons ce petit paquet juste ici. Oh, ma Margot. Voilà, voilà, voilà. Excellent. Voilà le dernier accessoire qu'il manquait à mon Star 5. Ah, c'est du bonheur. C'est du bonheur en barre. Enfin, là encore, mon Star 5 DX d'époque est 100% complet. Voilà, je pourrais également en faire une revue ainsi que de son partenaire, donc le 5 Robot, et également donc une vidéo qui vous montrera donc voilà la fusion entre le 5 Robot et le Star 5. Ah, c'est ça y est, voilà. Eh ben, écoutez, aujourd'hui c'est formidable parce que voilà, je complète deux robots anciens. Et ça, bah, c'est toujours, voilà, c'est toujours une source de joie. Voilà, une source de joie extrême. Voilà, je vais trouver les mots, hein, c'est l'émotion. C'est toujours une joie extrême de pouvoir compléter à 100% un jouet qu'on rêvait d'avoir plus jeune et que j'avais eu donc. Voilà, complètement, bah, il manquait quasiment tous les accessoires à la base quand je l'avais acheté à Damien, et au fur et à mesure, bah voilà, il a réussi à me trouver les accessoires manquants. Voilà, ça fait super plaisir. Ensuite, alors oui, je sais, je dis souvent super plaisir, je dis souvent les mêmes mots, mais bon, voilà, bah, je suis heureux, c'est ce qui compte, hein, vous trouvez pas? Ah, voilà, on termine. Vers le dernier paqueto, juste ici. Ah, c'est très bien emballé également. Ah, allez, on va faire une petite ouverture comme ceci. Oui, c'est bigrement bien emballé d'ailleurs. Ça me fait penser à des colis de certains potes qui s'amusent toujours à me, voilà, à me garnir de papier bulle mes achats ou cadeaux. Alors nous avons juste ici, hop, voilà l'Overien, un état absolument magnifique. Elle est resplendissante, elle est rutilante pour son âge, c'est incroyable. Les chromes sont nickel.
Les systèmes d'éjection aussi. Oh, c'est magnifique. Voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il s'agit donc de la moto de Spillvan. Voilà, j'ai désormais donc la moto, le tank, le vaisseau, quelques figurines et le tank ennemi. Voilà ma collection Spillvan, voilà, complétée à 99%, peut-être 98% parce qu'il faudrait qu'un jour je trouve une SH Figuarts et puis l'original, la figurine de l'époque. Mais voilà, elle est absolument magnifique avec voilà, des pièces métalliques comme on les aime. Ah, vraiment de toute beauté, et il y a même donc le guidon et les freins, voilà, tout en parfait état. C'est juste du tonnerre. Voilà un petit peu donc, voilà, la moto de Spillvan, et puis donc le canon du Star 5. Alors juste pour vous, puisque j'ai le Star 5 juste à côté, hein, qui attendait son petit canon, je vais l'ajouter et je vais vous montrer un petit peu donc à quoi ressemble le Star 5. Voilà, donc petit bonus, voilà, pour vous et rien que pour vous, voilà, de mon Star 5 de la série Five Man, enfin complet. Donc je le retransformerai bien entendu en robot, de façon à ce qu'il accompagne donc son pote, le Five Robot, voilà. Et donc, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce Star 5 là se transforme en un robot énorme, puis il peut se déboîter complètement, toutes les pièces, hein, vraiment à la base du part-forming, comme c'est le cas pour de nombreuses séries Super Sentai, et venir se rajouter donc au Five Man pour former, voilà, un robot gigantesque, un robot colossal. Voilà, enfin complet à 100%, c'est juste, voilà, c'est juste royal, c'est juste du bonheur, c'est, voilà, c'est fantastique. Là, je suis comme un gosse à Noël. Voilà, j'ai 10 ans, là. Là, ça y est, j'ai 10 ans. Voilà, c'est magnifique. Merci, 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 Damien, comme toujours, hein, pour ton aide précieuse et pour voilà, ces acquisitions en béton armé. Voilà, tu fais vraiment un heureux, à savoir moi. Voilà, je suis comme un gosse, donc voilà, ça fait hyper plaisir. Merci, mon ami, et je te fais donc de grosses bises et je te donne rendez-vous, bien entendu, en MP. Voilà, à très bientôt. Voilà donc pour le dernier colis de Damien, et nous allons pouvoir passer à présent au dernier colis de la boutique Osaka Toys. Et le voilà, le voili, le voilou, le dernier colis donc de la boutique Osaka Toys. Je ne le mettrai pas sur mon bureau, enfin sur mon studio vidéo photo, pour la simple et unique raison que le carton est vraiment énorme. Donc je vais l'ouvrir bah, off caméra, et puis donc on se retrouve à nouveau donc avec la découverte de voilà de ce petit colis façon de parler. Alors voilà le colis ouvert, on va retirer les protections, vous voyez, emballage absolument irréprochable. Nous avons deux choses à l'intérieur. Allez, on va commencer par celui-ci, hein, puisque c'est le premier qui se présente. Voilà, là encore, je retire le papier bulle. Voilà. Et nous avons donc juste ici, voilà, mais on va le revoir donc sur mon studio vidéo, voilà, le Dinobot Slug, alias Slag Génération 1, donc de la gamme Studio Series. Et le revoici, le revoilà, voilà, absolument sensationnel, donc dans sa boîte à l'échelle Leader Class, donc le Dinobot Slug et Daniel Witwicky dans son, voilà, dans son armure. Que dire? Mais il m'a l'air absolument sensationnel, hein, du même acabit que Grimlock. Alors toujours ce manque de chrome, mais bon, je ne peux pas trop lui en vouloir, puisque voilà, le but de cette gamme Studio Series est de ressembler avant tout au look et aux couleurs du dessin animé et non des jouets. Voilà pourquoi il est principalement donc de couleur mate, il n'y a pas de chrome. Voilà, peut-être qu'ils ressortiront par la suite des versions chromées, qui sait, ou même voir des Keos. Voilà, le voici, le voilà, absolument sensationnel, là encore, voilà, de toute beauté. On a quand même quelques pièces dorées, hein, qui sont tout de même bienvenues, avec voilà une transformation qui se fait en 32 étapes. Donc voilà, le Studio Series Movies 1900, Movie 1986, donc Slug. Ah,
Ça, c'est beau. Ouais. Et pour finir, donc, la cerise sur le gâteau. Regardez-moi cette boîte absolument monstrueuse. Voilà. Donc, un Kingdom et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit donc de notre Autobots. Hop là, voilà, j'essaye de tout cadrer. De notre Autobots Rodimus Prime, voilà, que l'on retrouve bien entendu donc dans le film de 86. Voilà, après Hot Rod, donc le voici héritier de la matrice du commandement après la mort d'Optimus Prime, et donc Hot Rodimus devient Rodimus Prime. Voilà, une boîte absolument énorme. Je pense que le jouet l'est tout autant, et nous avons donc cette nouvelle échelle, hein, savoir donc la Commander Class, voilà, qui est, comme vous l'aurez deviné, donc normalement plus imposante qu'un Leader Class. Alors là, comme toujours, je ne pense pas que la figurine en elle-même soit si grande que ça. C'est vraiment, voilà, ce qui fait la différence, c'est que nous avons donc ça, voilà, la remorque en plus, et puis quelques petits ajouts, quelques petites pièces, dont des effets lumineux. Je suis bien content. Voilà, la figurine, j'ai eu l'occasion de voir une vidéo, hein, il y a quelques semaines, la figurine est juste à tomber. Voilà, et je l'ai, il est enfin mien. Ça, c'est, voilà, ça, c'est pareil, c'est du très très beau jouet, donc pour lequel je me ferai un plaisir de vous faire une revue. Donc, le Commander Class Rodimus Prime de la gamme Kingdom, voilà, dernière gamme de la trilogie War for Cybertron. Que dire, voilà, j'ai hâte d'ouvrir tout ça, de découvrir, de jouer avec, de m'amuser avec, enfin, voilà, avec tout ce que j'ai reçu là, j'ai vraiment de quoi m'occuper, et surtout de quoi vous faire de très belles revues prochainement. Donc je commencerai la semaine prochaine, je ne sais pas si ce sera avec Rodimus Prime ou avec Slug, aka Slug, ce sera la surprise, mais voilà, toujours est-il que ça vous donne une idée, donc, des prochaines revues à venir. Donc je fais un petit récap de Zaka Toys, voilà, hop. Donc nous avons le Commander Class Rodimus Prime, et nous avons le Leader Class, donc Slug, aka Slag G1, voilà. Merci une fois de plus donc à Zaka Toys, et surtout donc à Adèle, voilà, Adèle, merci comme toujours pour ta confiance, et puis pour, voilà, pour ces merveilles que je peux enfin avoir, parce que les commander maintenant à l'étranger, c'est avec les frais et les changements de la poste, des tarifs TVA et compagnie, ça devient complètement, voilà, ça devient très difficile d'acheter à l'étranger, et grâce donc à cette boutique Zaka Toys, nous avons enfin la possibilité d'avoir du Transformers sans chercher désespérément partout et payer des frais de port épouvantables. Voilà qui est bien. Je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous mettrai donc le lien de la boutique d'Adèle, la boutique Zaka Toys, donc dans le, voilà, en lien dans ma description. Voilà, on a fait le tour. Voilà qui est vraiment fabuleux. Et voilà donc les petits amis, c'est ainsi que s'achève mon unboxing Mais quoi Cookies du jour, avec, comme vous l'avez remarqué, voilà, du lourd, du très lourd et du très très lourd. Amoureux donc de l'univers, des univers Tokusatsu, Super Sentai, Metal Heroes, etc. Et amoureux des Transformers, ben voilà, il y en a pour tous les goûts. Vous avez, voilà, j'ai de quoi vous faire de bien jolies photos. J'espère que ce déballage vous a plu, vous a peut-être mis l'eau à la bouche. Dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller à la fois donc dans faire un tour dans la boutique donc de mon ami Damien, la boutique Vinted, et puis donc la boutique également Zaka Toys, la boutique Facebook. Voilà, si vous souhaitez avoir de très beaux Transformers ou encore d'autres jouets, puisque vraiment sa boutique est juste la caverne d'Ali Baba, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, bien entendu, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, etc., etc. Vous en avez l'habitude maintenant, à présent. Et puis d'avance également, donc merci, voilà, merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement plaisir. Merci également d'avance, donc... merci une nouvelle fois du moins à Damien et à Adèle, voilà, pour ces transactions toujours aussi irréprochables. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien écoutez, je vous souhaite voilà, une bonne semaine, bonnes vacances, et profitez bien entendu pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et puis voilà, amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez bien, et n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss.
Eh bien, mon vieux papy, une fois de plus, t'as été gâté, dis donc. Waouh, vénard, t'as du beurre des nouilles, mec. Oh ouais, t'as les nouilles qui débordent du cul, mec. Et pour le coup, on est tellement estomaqué que bah, je crois qu'on n'a pas de gag à faire au final. Ouais, parce que là, on est quand même sur le cul avec toutes ces nouveautés, ça en met plein les yeux. Ouais, ça en met plein les œufs. Donc du coup, bah, on va être soft. Voilà, on vous dit simplement à bientôt les amis. Et puis allez, amusez-vous bien. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Allez, tchuss! Tchuss! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.